On est à Tarifa, un des meilleurs endroits au monde pour le vent, pour faire des sports nautiques à voile. Ouais, près des dunes de Val des Vaqueros. On va sur une date. Oh, nice! Fais ça, top. Ouais. Bon transfert d'ailleurs, comment que vous avez trouvé? Pour vrai, on a trouvé ça vraiment drôle. C'est le fun. On a reparlé un peu du jeu. Le Delirium Riz! Marié. Vous, de votre bord, je me demande comment. Nous, on l'a pas trouvé drôle. On est juste amis, Simon. Moi, je trouve que, tu sais, c'est comme c'est un peu humiliant. Moi, je suis pas de bonne humeur, là. C'était tellement subjectif, puis c'était pas unanime, pas en tout. Là. OK. Fait qu'ils prenaient pas ça pour du cash, pour vrai. Puis je suis bien content qu'on se soit retrouvé dans la case d'amis. Parce que tu me vois plus comme un ami ou tu me vois plus comme... Tu m'aurais mis dans quoi de bon? Dans la case à marier. Marier plus, même. N'importe quoi. Marier plus! Il a quand même dit que si c'était à refaire, il me mettrait dans marier, mais il reste quand même une place. Les femmes à marier sont Lara et Alexandra. Ça a été un exercice démocratique. Pourquoi tu m'as pas mis? Yeah. On prend pas ça pour du cash, puis pour vrai, je suis content d'être avec toi. Moi aussi, pour vrai, je suis vraiment contente. Simon me gêne beaucoup, je dirais. Là. Genre, en plus que j'ai un intérêt, plus que ça me gêne, mais aussi parce qu'il est vraiment cute. Le vent se lève. On y va-tu? Ben oui, bien sûr. Ah, ça, j'aimerais ça faire ça. Et vient le temps de se lancer. Mon doudou! Let's go, ça, let's ça, do this. Top. Non! T'es prête? Non! Non? Tu vas mourir! Ça a l'air vraiment top. Exactly! Thank you, Hans. J'étais pas capable, j'étais pas capable de la tourner, j'étais pas capable de me tourner. Mais regarde Mia, t'es encore à genoux sur son surf. Je suis crampée pour vrai. J'ai réussi une fois d'être debout, puis ça m'a pris 3 secondes que j'étais déjà tombée, là. Non! Mais là, comment tu vas réussir sa planche? Pour la gloire, let's go, je m'en vais au Maroc. Avec le... Hey, let's go! Puis dès que j'ai un sentiment de confiance. Non. On dirait qu'il avance pas! Tout sauf du bord que je voulais aller. C'est dur s'il y a pas de vent en ce moment. Good job. Je suis pas content de ma journée. Ça a juste confirmé que ça pourrait être une bonne performance. Je sais pas que la porte est fermée pour une autre fille, mais un petit jour, mais pas trop gros. Comme la même. Prochaine avis. Je comprends pas. Simon à 100%. Tu sais, moi, j'ai vraiment un gros intérêt envers Simon. Je comprends pas la chimie, genre. Tu comprends? Tu me tapes, là. C'est bien. Mon petit papier de toilette dans la cuisine, je catch pas. C'est. Pas. Travail personnel à la fin, gars. Tu sortis d'ici, tu vas être plus résilient. Mais pour vrai, c'est correct d'en parler, ça. Ben non, mais si après ça, ils vont s'en aller avec leur blonde, pis je sais pas. Mais éventuellement, j'aimerais ça faire genre les armoires, le fridge, des places, il y a des splashes. Mon gars, tu checks ces sites-là, tout dégueu. Ça me fait le trou de balle, je suis fâché. Oh! Ça me fait le trou de balle! C'était vraiment fun, pour vrai, là, genre. On a parlé aussi du jeu d'hier. C'est vraiment osé à me ça, c'est début la troisième, right? Ben oui, mais sans, nous autres, à la première, il y a eu trois friends. Je suis vraiment étonné qu'il n'y ait pas d'échange salive, ouais. Je suis pas un peu froissé, mais un petit peu. Ah ouais? Comment ça? Ouais. Ben, je pense que Marie-André puis Laurence, ben, ils se demandaient pourquoi ils étaient là, tu sais. Amis, parce que, mettons, tu vois plus notre potentiel comme en amitié. Puis là, t'es comme, oh non, il me dit, moi, je serais vraiment content pour vrai qu'on soit les deux dans la même catégorie. Puis il dit, il n'y avait pas de raison, là. On a juste fait t'ajouter un jeu. Bon choix. J'ai rassuré que je l'aurais mis dans la case mariage. Anyway. Si je te vois vraiment comme potentiel amoureux, là, c'est vraiment pas... C'était vraiment nice, comme... Mettons, j'aurais hâte à une prochaine activité. Yeah, elle a gagné des points. Elle a pas peur de rien, elle a pas peur de se mouiller. F***ing cool. Les dates, je trouve que c'est souvent speedrunné. Vraiment, hein? Ça, comme, ça les meetings entre les... on a plus entendu les découlés de les mariés, les amants, whatever, ouais. Que les voir actually jaser. Et on a plus vécu la promotion Salvatore. We did! Ouh! Oh! Hey, ready boy! On est assis dans le salon, puis là, la télé. C'était la première fois qu'on voyait les gars devant la télé. On avait l'impression d'écouter une émission d'occupation double. Les gars, j'ai un petit jeu pour vous autres. C'est super simple. Moi, je vais vous donner deux situations qui pourraient sembler comme un red flag. La chicane! Ah, c'est bon! Ça va être bon! Trouver le moins pire. Le moins pire. Le moins pire. Et je vous dis juste ça par hasard, mais. C'est peut-être des filles qui nous écoutent en ce moment. La chicane! Mais il aurait pas dû le dire! Ouais! Il aurait pas dû dire! Ce serait meilleur s'ils peuvent parler freely. C'est ça, exact. Fuck me, man. Est-ce que tu fréquenterais quelqu'un A, qui fouille sur ton sel en cachette? Ou B, qui ne veut pas te dire qui est en train de t'exciter? Oh non! Dans les deux cas, c'est de la bouette. Mais moi, je pense que... Hé, Chris! Moi, je pense que j'aimerais mieux que tu fouilles sur... Attends un peu. J'aimerais mieux
quelqu'un qui fouille sur mon sel que quelqu'un qui me dit pas à qui elle texte, là. Ben, hey. Dans les deux cas, c'est poche, mais ça, ça manque. C'est, si je vois ton sel, c'est, je suis une bibitte d'insécurité, pis c'est toxique pour toi. Ben oui, mais là, si moi, je te dis pas avec qui je texte, c'est un peu wack, là. Ben, peut-être que c'est un secret, je prépare une surprise pour toi. Ok, non. Claude, si tu... Ouais, mais dans ce concept-là, c'est pas ça. Si je demande de fouiller ton sel, je suis non, une sous-marde. Non, fouille pas. Tu vois, si je suis une sous-marde, là. Non, honnêtement, Freddy, j'ai jamais fouillé dans ton sel. Tu m'as donné un texte pour le Gifty, c'est gentil. On va commencer par Anthony. Oh, chacun! Ok, chacun explique. J'ai trouvé ça drôle qu'Anthony joue au jeu des Red Flags, parce qu'il a l'air d'en avoir aucun. J'aimerais ça lui demander, comme... As-tu un défaut? Anthony, tu peux y aller. Donc, A. Vincent. J'ai B. Oh, mais... Wow! Mais ça, c'est comme random. Oh, quand même, c'est... OK, les réponses sont... C'est pas tant spicy. Pourquoi avoir répondu A? Je pense que ça me dérange moins parce que, tu sais, on sait pas si la fille a vécu un trauma par le passé, qu'est-ce qu'elle s'est passé, justement. Voilà! C'est tellement bon, ce qu'il dit, là. Non, mais on s'en fout, là. On va travailler là-dessus ensemble, là. Faut que ça se règle. Il dit, on sait pas, peut-être que la fille a vécu un trauma avec son ex, puis qu'elle est allée chercher son sel, puis que là, elle a trouvé quelque chose. Non, mais Claude, il va régler le problème avec elle, là. C'est autre chose, ça, là. Oui, mais c'est cute qu'il dit. Moi, je suis pas d'accord pour fouiller sur le sel. Je suis pas d'accord. Sur mon sel, il est sur l'îlot, là. Fait que si tu veux checker dedans, j'ai rien à cacher, là. Voilà. Mais parle-moi de ça, mais Claude, des hommes. Claude, ils disent juste parce qu'ils ça, entendent. C'est pas ça le point, Chris. T'es à l'aise de laisser ton sel sur l'îlot? Ça va-tu, toi? Tu as posé une question? Obviously, je m'en contre-torche. C'est la base. Oh, le problème, c'est de fouiller dans le sel parce que t'as besoin d'être rassuré. Oh, moi, mon sel, je vais te le donner, je vais le débarrer, puis pars avec si tu veux. Fou, là, j'ai rien à cacher dans mon téléphone, tu sais. Mais c'est cool, le faire en cachette, je trouve ouais, c'est comme un manque flagrant de confiance. Vincent, drapeau vert. Oui. Pour les autres qui ont répondu B, si elle veut pas me dire à qui qu'elle texte, peut-être qu'il y a une bonne raison, peut-être ça peut être pour faire une petite surprise ou Hey, là, c'était pas ça le contexte, c'est là. Pas, non, mais c'est pas comme si le contexte, c'est pas qu'elle préparait une surprise, quel, là. Non, mais quel contexte? C'était pas raison. T'sais, Chris, si elle fait ça every time, oui, c'est weird, mais... Ouais, mais le contexte, c'était qu'elle fait ça every time. Mais non, qu'est-ce que c'était-tu écrit? Est-ce que tu fréquenterais quelqu'un qui te reproche d'avoir trop d'amis-filles ou qui a vraiment beaucoup trop d'amis-gars? Oh, c'est bon! Wow. Attends un peu. Ça, c'est important bon. Comme question. B. On s'en galisse. Ah, moi, j'y allais avec un B, moi aussi. Avec un B, moi. Moi, B aussi. B également. Je sais pas, là. Le plus gros red flag, c'est B. C'est ça qu'il dit. Ah, le moins pire, le moins pire. Il dit ça. C'est ça. Je comprends pas. Le moins pire, c'est B. C'est pas grave que tu t'as blonde à plein d'amis de gars. Tu veux pas te faire reprocher. Si tu veux pas te faire reprocher d'avoir trop d'amis de filles, il faut que tu laisses la fille avoir des amis gars. Mm-hmm. Fait que c'est le moins pire, je crois, Jean. Est-ce que vous croyez en l'amitié, gars? Non. Ben oui, je crois. Oui. Mettons, toute seule avec une fille, toujours être avec elle, puis seulement être amie, je pense pas. Je pense qu'il y a tout le temps une des deux parties qui va s'attacher. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. C'est toujours ce qui est arrivé dans mon cas aussi. Prochaine question, les amis. Est-ce que tu fréquentes? C'est du cas par cas, là. Si je sors avec toi depuis 10 ans, puis j'ai une amie qui sort avec un autre gars depuis 10 ans, puis on se connaît plus longtemps. Ça peut être platonique. Mais comme tu l'aurais tout seul ensemble, ça ferait aucun sens à mes yeux, tu comprends? Ça ferait aucun sens. Je serais comme, ok, on va faire une date à quatre. Tu sais, toi, à part les blondes de tes chums, t'as pas d'amis de filles, là. Quelqu'un qui coupe complètement ses ex de sa vie, ou qui est vraiment très proche de ses ex. Qui est très proche de ses ex, je panierais maintenant. Mais... Si ton ex est une chill, mais tu sors plus avec parce que... Ça fitait pas amoureusement, je comprends. Oui, t'sais. Mais c'est ça, il y a plein de contextes, mettons, il faut répondre rapidement. Ouais, si tu veux être la meilleure personne sur la Terre, là, être le meilleur toi, il faut que tu sois tolérant puis compréhensif. Fait que tu sois ami avec tes ex, je m'en calisse. Mm-hmm. B aussi. B également. Moi, j'ai... Dude, si tu capotes parce que ta blonde est amie avec son ex, t'es un loser, réellement. C'est vrai! Mais des fois, t'es un peu trop logique, par contre. Moi, je suis très proche de mon ex. Comme très proche, là. Comme c'est le père de mon chat, là. Il coupe les ex. Oh, oh! On le cancelle! On cancelle! On s'en parle avec elle! Mais Matt P, watch out, là! J'ai pas dit ça. Watch out, Matt P, là! C'est vraiment drama queen, hein. Moi, une personne importante dans notre vie, notre conjointe, que je trouve ça un peu spécial de... Bon. Si ça a pas mal fini de couper les ponts complètement. Gardez les bonnes expériences. Base! Si Sam, il est base! Mon gars, il est de la base. Comme pourquoi je la couperais? Ça a pas mal fini. Je l'apprécie encore. En même temps, avec mon ex, ça l'a vraiment pas mal suivi. Non, mais si ça l'a pas mal fini. On n'a pas continué de se parler. Moi, je sais, mais si on habitait à Québec, tu le croisais une fois dans le temps, pis t'as encore un groupe d'amis. C'est pas grave si ben tu oui, parles. Ben oui, ben oui, sûrement. Ouais, t'as le droit de parler, tabarnak, là. Non, mais pas nécessairement garder une relation qui est proche.
Est-ce que tu fréquenterais quelqu'un qui sort de chez toi en pleine nuit sans rien dire ou qui ne comprend pas que c'est le temps de partir le lendemain matin? Antoine, il y a un mal de tête qui commence. Ouais. On y va, Tony, tu veux y passer? Aller avec l'incognito. Des fois, je pense que ça tu sais, parce que la façon que la question est posée, ça cliquait pas, ça cliquait juste comme... Puis le lendemain, je patinais, mais j'avais pas de patin, fait que ça avançait pas pantoute. Mais t'sais... c'est correct, c'est pas grave. Si je pars avec une fille un soir, c'est parce qu'elle m'intéresse plus que juste pour la soirée, là. Bonne réponse! Il y a plus de risques quand les filles sont pas là. Est-ce que tu fréquenterais quelqu'un qui te demande combien d'abonnés tu as? Dès la première date. Non! Le snap score! Le snap score! Qui ne te suit pas sur les réseaux sociaux, même après plusieurs dates. Je m'en fous qu'ils me suivent pas. B+. Le nombre d'abonnés comme première question, c'est vraiment red flag, là. Si qu'un gars te demande ton snap score sur une date, là. En même temps, les réseaux, je trouve que ça peut aussi te permettre de garder contact avec certaines personnes que peut-être avec temps. Toi, c'est en bas de combien d'abonnés que tu dates pas la fille? Roasted! Avant ce show-là, je devais avoir 200 amis sur Instagram, fait qu'elle aurait été déçue de toutes les gars. Ils appellent ça des amis! Ben là. C'est évident que son Instagram, il connaît tous. En fait, lui, il a pas publié depuis 2011. Oui, mais c'est un poisson à pêche. Il a Instagram juste pour suivre ses parents. Non, mais c'est suisse. Littéralement, ses vrais amis. Ouais, c'est ça. C'est cute. Son petit! Ah! Il est tellement cute. Des amis, c'est sur Facebook, Anthony. C'est où? Des amis, j'aime ça. C'est où? J'imagine qu'il va falloir que je m'y fasse. C'est des abonnés. Les gars, c'était tout. Oh, nice. Merci beaucoup de votre ouverture. C'était vraiment cool. Pour dire que les filles? J'espère. Merci, les gars. On se voit bientôt. Ça va être Alicia qui va rentrer. Ils ont-tu des bails? Je vois ma frange. Hey, gros, ça m'a fait patiner, cette question-là, V. Aller avec l'inconnu. C'est les deux gamers, je mange un sujet que j'en ai pas eu. Oui, des fois, gros, la vérité, c'est gros, j'aimais mieux qu'elle parte pendant la nuit qu'en shadow, gros, ça me dérange pas. T'en rappelles-tu la scène à O2? C'est drôle, de notre saison, on venait de la fête, qui était du party fête foraine, pis tous les gars, vous aviez une pomme en sucre dans les lagues, pis vous aviez des discussions fucking sérieuses, vous étiez comme... Ouais, mais Camille, tu sais, c'est comme pas sûr. Pis genre, ils étaient tous, vous aviez tous cette tellement drôle. Ouais, pretty funny. J'ai 31, je mentirais si je dirais que j'en ai pas eu. Pis gros, oui, des fois, gros, la vérité, c'est que gros, j'aimais mieux qu'elle parte pendant la nuit qu'en shadow, gros, ça me dérange pas, big. Le matin, si je suis pas dans de l'avoir le matin, gros, ça évite un malaise, là. Pour vrai, ce que je me demande, c'est qu'est-ce que Simon a dit de la journée. Mais si tu veux hit and run, couche pas avec elle, man. Non, c'est ça, je comprends pas. Gros malaise. Mais je comprends pas. Le gars, il est comme, ah, oh, ça me dérange pas qu'elle parte durant la nuit, mais pourquoi t'as couché avec? Ouais, je sais pas, c'est je comprends pas, pour vrai. C'est Antoine. Moi, c'est Anthony qui s'appelle ça. Mesdames! Oui, oui. Cool, hein, le jeu? Est-ce qu'il y a un gars qui est sorti du lot? Selon vous, c'était très intéressant. Si je vous offre un petit tête-à-tête, une date avec lui, est-ce qu'il y en a une qui est intéressée? Je pense que c'est l'instinct. Oui, ah oui, ça te tente? Oui. Ben écoute, je t'arrange ça. Merci. Good, merci les filles. You go, girl. Gritty, 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 gritty. Quand, tu sais, c'est moi qui allais avec la petite date avec sa vie, c'était comme yay! Puis là, j'étais comme, je suis contente, mais on dirait que je me sens coupable d'aller sur cette date-là avant que j'ai la talk avec Matt B. On dirait que j'avais comme un petit conflit intérieur parce que Matt B est de l'autre bord, probablement, après de se poser des questions. Hey! Messieurs, je reviens de chez les filles. C'est parce qu'on l'a déjà demandé. Et on s'en calisse de lui! Parce qu'il n'y a rien d'intéressant à dire, on va se dire. On est sorti du lot de façon positive avec ses réponses. Le gagnant est Samy. Oh! Je suis content que Samy ait gagné le jeu, mais ça n'aurait pas été mon premier choix personnellement. J'ai ensuite offert aux filles, est-ce que vous êtes intéressé à avoir une date avec Samy? Et c'est Céline qui a été choisie. Oh. Okay. Donc je t'annonce que tu pars en date. Là. Suis-moi mon gars. Ça va bitcher? C'est qui le gars qui est le plus mad?
Ah, c'est il est même, good job! Ça aurait pas été mon choix. Good job! Ouais. Tabarnak, là. Attends un peu, il va dire quoi. Toi, il commence à quand, là. Ouais, il commence à capoter. Lui, il est en délusion. Lui, s'il se rend jusqu'à la fin, il va mourir, man. Moi, qu'est-ce que je te conseillerais de faire au prochain 5 à 7? Va lui parler, dis-lui les choses straight face. Je vais l'en voir quick, là, mais... Marilyn, je serais down, t'sais, c'est comme vraiment top 2. Il est pas là. C'est sûr que je suis un petit peu déçu dans le sens que j'ai investi beaucoup de temps avec elle. J'ai passé un 5 à 7 complet avec elle. Ça a bien été. T'es en train de le Mick Fortin. Un party complet avec elle. On est resté ensemble de long. Le roi mais Mick Fortin, c'est ce que ça a fait. Ça a commencé là, puis ça l'a monté en flèche quand il a commencé à parler, puis qu'il était hot. Tu comprends? Lui, plus il parle. Plus ça descend. Là. Allô? J'étiez super content qu'elle m'ait choisi. Rizamel! Donc, c'est ma maison. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Sure, moi, je vais prendre ça. Cheers. Non, j'étais vraiment contente de passer un petit moment avec toi. Je trouve que toutes tes réponses en direct, tu allais vraiment vers l'empathie. Ben oui, moi j'étais en délirium complet. Là. Oh, ouais. Jusqu'à la semaine 4, j'étais en délirium. Il prenait vraiment une approche comme ouverte d'esprit. Ça m'est tellement arrivé souvent que les gens me laissent moi-même le bénéfice du doute ou qu'ils me jugent trop tôt. Puis j'ai toujours apprécié quand les gens me laissaient m'expliquer avant de me juger ou de conclure sur qui j'étais. Là. Fait que, est-ce que t'aimes les gars qui sont un peu indépendants ou t'aimes... Oui, genre quelqu'un qui est indépendant. Il est comme level 1000 communication, puis le Matt B, il a pas encore fait le cours. Littéralement, le gars est trop fort. Absolument indépendante, mais aussi, comme tu dis, c'est de se rejoindre ensemble et de créer une vie à deux. Ce qui est difficile, c'est de créer une complicité en 15-20 minutes, mais en même temps, c'est beau. Il est bon, là, genre. C'est de se livrer soi-même à quelqu'un d'une manière qu'on ferait peut-être pas dans la vraie vie. J'ai mis dans la violence du propos un doctorat versus 185, ça pardonne pas. Tabarnak! De quoi? Non, c'est ce qu'il dit! Le doctorat versus le secondaire 5, là, ça me parle pas, je suis comme c'est tellement mean, dude! Première plus un médecin equals peut-être un match. Stay tuned to find out! Mais c'est vraiment fort! Ben, merci à toi de m'avoir choisi. On continuera ça au 5 à 7. Avec plaisir. Allez, passe mes soirées. Les tours sont cool! Les garçons! Oui! Vous allez bien? Apporte-moi la pièce à prime. Oui! Écoutez, j'avais envie de permettre à une fille parmi vous de sortir de la maison. Ah! Pour une activité calme, paisible, relax. Oui! Oui, hein? Voir la plus belle vue panoramique de la ville de Tarifa. Dans un des plus beaux points de vue du détroit de Gibraltar, situé directement dans un parc d'éoliennes. La chanceuse qui partira en activité. Lara, s'il te plaît, et pas aller. Marie-André! Ah oui, Marie-André, je suis dans. Good as well. C'est bon ça. Marie-André, je suis contente. Good as well. Elle mérite, correct. Pas le détroit de Gibraltar! Avec Antoine. Marie avait l'opportunité de choisir. Le prochain voyage, c'est Lara, puis maintenant, là. Il mérite leur activité, là. Le détroit de Gibraltar, je suis so hype. Avec qui donc veut-elle y aller vous passer? Je suis instruit. Est-ce que ce serait Anthony, peut-être? Hey! Honnêtement, ça m'aurait quand même surpris qu'elle me choisisse pas. Oh my god! C'est notre première date. T'as même pas tenu ta promesse de ton dire les riens. Ouais, c'est vrai, j'y ai passé. Moi, j'avais prié pour que la c*** peut-être on passe moi parce que ça me tente pas. S'il faut choisir, je prends Joanie. Mon délirium est quand même calmé. Ça lui a fait du quoi? S'il faut choisir, je vais prendre Joanie. Hey, Lolo. Comme on dit, c'est pas moi qui crie le plus dans la maison, fait que. Mais oui, je suis prêt. Je le sais, on l'a vu, Stifi. Mais la prochaine voyage, la semaine prochaine. Faut s'affirmer plus. Je me sentais mal parce que au dernier 5 à 7, Joannelle m'avait dit tu sais, ça serait cool d'avoir une date ensemble et tout. J'étais comme oui, mais tu sais, moi dans ma tête, c'est sûr que je voudrais prioriser Jay parce que c'est mon intérêt principal, tu comprends? Moi, j'ai de la misère là. On dirait que je mélange tout le temps mes tops là. Après, je suis comme Antoine, moi je suis comme Joannelle. Après ça, je suis comme oh non, Samy. Genre... Le best pour elle, ça serait. Jérémy, je pense. Vraiment. Maybe this guy as well, mais je sais pas si lui est trop cool. On dirait que j'ai de la misère parce qu'ils sont tous un peu au même genre de niveau encore. Genre, Joannelle, mettons, quand il t'a dit ça, oui, il y a un intérêt, mais en même temps, je te prioriserais pas dans mes dates puis mon voyage. J'ai vu Joannelle. Parce que j'ai quelqu'un d'autre avant que je voudrais genre vraiment plus pousser. Exact. Puis tu sais, Samy, il m'intéresse aussi de plus en plus aussi. Fait que tu sais, on dirait que lui, il monte plus puis que les autres, ils descendent un peu. Je comprends. Tu sais, mettons que tu gagnes une activité puis tout, là, genre, dirais-tu avec Jay ou Samy? Jay. Mais là, comme Jay, il est pas ici, j'irai avec Samy en ce moment. Fait qu'il y a quand même un échec. Avant Joannelle. Ouais.
Mais Jake, il est indétrônable. Il est détrôné. Non, c'est ça, il reste Jake là. Jake est parti en voyage. Mais oui, fais chier. Je suis vraiment out of options, mon gars. Pourquoi je vais boire Laurence, man? Back to the... Laurence! Man, c'est ça, mais tu trolls! Accepte la défaite, man! Man! Accepte la défaite! Mais ces deux-là sont dans le délirium, là. Accepte la délirium défaite, mon homme! Accentué, là. Yo, bro, je suis vraiment out of options, là. Tabarnak, dude! T'sais, choisis Laurence, c'est juste par défaut. C'est fucking chiant pour Laurence. C'est cave de faire ça. J'aurais dû parler plus, j'ai été cave. Ça a toujours été dans mon top 2, je suis même pas allé parler. J'aurais dû entraîner la relation un peu au moins 15-20 minutes. Ben, c'est pas net. Marilyn, elle revient samedi, c'est juste qu'elle revient de voyage, mais c'est pas grave. Ouais. Ce gars-là est méga indécis. Tu sais qu'il va pas vouloir faire de move juste parce que genre il veut vraiment tout les connaître. Mais c'est juste ça te laisse un one-shot deal. Faut que ça roule au toast. Qu'est-ce qu'il est donc, mais il est, man! Il, je te dis, lui, là, plus ça avance, plus il va virer fucking. Ouais, mais c'est pas grave. C'est clair, là! Méga indécis. Tu sais qu'il va pas vouloir faire de move juste parce que genre il veut vraiment tout les connaître. Mais c'est juste ça te laisse un one-shot deal. Faut que ça roule au toast. Ouais. Puis moi, dépendamment comment que ça va avec Alex ou sa cassette. C'est sûr que je vais vouloir parler à Marilyn un peu, savoir comment ça a été son voyage et tout. Je pense que Alex est ton best shot. Que pour lui, il y a pas alors, moins gêné que Marilyn, j'ai un goût de verre, mais tandis qu'Alex, gros, je sentais vraiment comme une pulsion un peu, genre. Ouais, ouais, ouais. Marilyn, j'ai pas senti cette pulsion-là, genre. Ouais. De comme, on va se manger à la face, genre. Ouais, ouais, ouais. T'sais, moi, demain, je me mouille là, un peu, là. Ouais, ouais. Ben, t'sais, comme j'ai dit, là, je vais être. Je me mouille dans le sens que Big, je vais dire ce que je pense, là. Jones va t'entendre. C'est ça que je voulais dire, je vais prendre un cheveu. Demain soir, c'est le 5 à 7 de la semaine. C'est ça que je voulais dire, ouais, ça, mais dude, le boy, c'est comme tranquillement, il y a trop d'affaires en tête, j'ai l'impression. Ouais. Ça n'a aucun sens, mais. Je me demande, genre, comme in a way, je suis comme, hey, ça a dû brasser de la merde, l'eau bas. J'ai tenté avec ça. Non. Mais à la fin de la journée, là. Tout le monde a dit top 1, top 2, là. Ouais. Mais il faut être un peu Est-ce que vous avez un top 1, top 2? Matt B est plus dans mes tops, c'est ça qui est l'affaire. Lui, il sait pas encore, là, tu sais, c'est ça, mais c'est comme nous autres, ça fait 4 jours that we've been over it, mais eux, comme genre... J'espère juste que Samy, ça comme le freine pas à vouloir me parler à cause que Mathieu B... C'est une game. Ouais, mais tu sais, Samy, il paraît comme le type de rationnel, tu sais. Ouais, mais en même temps, il... comme... Moi, je pense que... À la fin de la journée, là... Si y a quelqu'un qui t'intéresse, va y parler. Puis si qui te demande ton snap score, run. Mon Dieu. Si je sors avec Anthony, elle va avoir vu mon délirium. Qui? Ta belle-mère? Ouais. Ça fait quoi? Mais j'étais folle. J'ai un topper de l'autre côté, il m'a friendzoné. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, les beaux-parents nous écoutent. Salut, les beaux-parents. Salut, Chantal, Pierre-Réal. Mais ils voient ça aussi, c'est correct. Mais non. Ils voient ça aussi. Antoine, il m'a posé plein de questions sur l'illumination. Antoine, il a l'air un petit peu stratégique, là. Antoine, il a l'air genre défieux de règles. Je pense que c'est pour ça, genre, Antoine et Matt B s'entendent bien. Ils savent qu'ils sont dans une game. They know what they're doing. Oui, normal, quand même. Vous pensez qu'Antoine est un peu stratégique? Ouais, mais je pense pas qu'il resterait s'il y avait pas de connexion. Bah, ben là, il va pas partir. Matt B, oui, là. Ouais, j'ai de la misère en barrière. Mais il va pas d'amour à Antoine. J'ai plus d'action. Oh, moi aussi. Quand Marilyn parle de lui avec des étoiles dans les yeux, je veux y croire, mais je suis comme sceptique. Ouais, ils ont des bons reads, les girls, hein. Ouais. Mais, tu sais. Puis en plus, je veux pas quand il parle avec les girls, les boys, ils parlent avec les girls, ils cachent ça un peu. Ils veulent être charmants et tout, mais ils voient pareil à travers. C'est insane. Ce matin, on est à Tarifa, on est dans un champ d'éoliennes. Gars, ça. Non, gars, pas! Ça, c'est bon. Gars, un petit bébé. Comment les gars, c'est... Oh mon Dieu, qui est beau! Des vaches d'Espagne. Bon, j'ai fini mon délire. Ils sont tout petites! Ils sont où les chèvres, ça? Ils sont en tête ferme! Ils sont en tête ferme même! Oh, gars, ça, c'est... Ah, gars, ça, c'est beau. Elle a beau dire qu'elle est maladroite, je trouve ça cute. Oh, c'est super bien. Tu me gênes. Comme je disais, j'aurais pu venir à date, ramasser des roches, moi, en autant que j'étais avec toi, je m'en fous. Mais là, finalement, j'ai en avant de frisson de métal. Des fans! Les trouve tellement cute! Des fans de métal! L'autre bord, la terre. Ces deux-là sont mignons. Moi, j'en reviens pas. Puis c'est vraiment la bonne girl. Comment t'as trouvé les jeux cette semaine? Moi, les jeux m'ont pas vraiment dérangé. Moi puis Mia, on a vraiment eu un bon délire, là. Excusez. Tu sais, on était genre... Si on a un voyage ou une activité, on prend quelqu'un d'autre, on va se manger. C'est comme... Moi, j'avais prié pour que c'est cute. Comme peut-être on passe moi parce que ça ne me tente pas. Il faut choisir, je prends Jovanil. Tu sais, le lendemain, après avoir dormi là-dessus, on était comme, ah, OK, peut-être qu'on exagère un peu. Je comprends. Pensez pour toi, matin. Non.
Là, ça sort pas une bague, là. T'es un peu. J'étais full romantique. Oui. J'ai fait l'affaire la plus catane que j'ai jamais faite de ma vie. Il est bon. C'est cute. Merci. Pas obligé de le prendre tout de suite. Non, non, je vais garder en réserve. Pour le moment de délire. Pour un moment de délire! Je pensais pas. Dude, ce gars-là est insane. Quand tu donnes le temps d'être drôle, hein, dude, je vais gagner un bouton pour un moment de délire. Si je l'aime. Pour le moment de délire. Ah, oh, je suis tellement contente, non? Non, il est bon! Il est bon! Honnêtement, venir à O2 pis comme vraiment avoir autant d'atomes crochés avec quelqu'un. Non, mais c'est un, cool, c'est un slow runner. C'est beau, hein? Marathon, ce gars-là. Je suis full confiante avec lui, je suis full bien, je me sens moi-même, fait que ça avance vraiment bien notre relation. Imagine l'inverse. Suce les de suite. Vas-y. Oh, c'est un scaler, exact. Mais j'ai hâte de se mouiller. Ah, j'ai hâte, moi aussi, man. Hein? J'ai hâte de se mouiller pas, c'est parce qu'il doit avoir une raison. Je pense que c'est parce que tu le sais pas non plus. What? Your dick is a scaler. Ah, j'ai compris. Always j'ai hâte que tu te mouilles, il peut te dire, like your dick. Ah, mais moi, je scale. Je suis un grower. Exact. Show off une vieille bite molle, ça sert, hein. Ouais. Moi, je suis là quand les temps sont durs. Tu catches? Ah, je l'apprécie bien, mais si je la connais pas assez, j'aimerais lui parler davantage. Là, oublie ça! La rêve, c'est mort! Céline et Fresh, je sais pas. Mais c'est ça aussi que je suis abonné depuis aussi longtemps, man. Je vibe avec les gens, mais jamais assez, je sais pas. Jamais assez, dans le sens que tu... Je tombe juste pas sur une personne qui me fait vibrer, là. Le gars, il est beard, là, comme moi. Oh, elle est full contente. Je suis tellement contente pour elle. C'est cute, pour vrai. Ben, ils ont envoyé les deux, ils ont fait des deux des gommes. Ouais, des ouais, filles, genre. Ah ouais? Ils ont rassuré deux filles. On est allé dans un parc éolien. Tu sais, il y avait un rive qui passait, puis le Maroc mais était ça, là. Et tu pognes une chaloupe, puis tu fais 2-3 heures, puis t'es rendu là, avec un chum de gars, là. Les gars sont j'ai abordé le jeu de la friendzone. On pétait une petite coche, ça là, elle pis Mia, là, ils ont viré folle hier. J'ai dit que t'es... Je suis une grimpeuse de rideau professionnelle, pis... c'est ça. Ils pensent 4 fois plus que nous autres, les filles. Là. Nous autres, on a une bande de macaques cons. Il était beau, il était fin, il avait des petits regards. Oui, il faut s'en aller. Marie-André, elle parle, je la trouve cute. Elle fait une face de babune, je la trouve cute. Senti, je suis peur que croître. Et d'un se fil quand même, ouais. C'est vrai, quand même pas mal. Fait que c'est quand même un peu épeurant. La semaine 4 arrive bientôt, mon gars, là. Hein? J'ai mis une règle. J'ai dit qu'il n'y a pas rien qui va se passer avant la semaine 4. Pourquoi c'est lui qui pense à ça? On est-tu là ou on est là? OK. Allô, les amis! Salut, la gang! Hey! Content d'avoir un petit 5 à 7! Yay! Comme vous savez, c'est souvent dans les 5 à 7 qu'on annonce l'élimination de la semaine. Cette semaine, ce sera une élimination de boys. Garçons. Eh oui. And the way! Rock on! Et voilà, c'est tout! Salut! Bye-bye! Bon 5 à 7! Ça, ça part party! Allez, à ça. Ouvrons-nous un petit spot. Je voulais juste chit-chatter avec toi, puis tu sais, comme genre, faire une petite mise au point, comme qu'ils ont dit. Ouais. Moi, je pense que peut-être, tu sais, je ressens ça plus comme aller vers comme amical tout de suite, ouais, tu sais. C'est bon. Je déteste ça comme blesser les gens. Par une option! J'ai beaucoup d'empathie. Je me sentais comme, tu sais, pas bien là-dedans. Je peux même pas imaginer comme, tu sais, j'ai moins ressenti le vibe que ça n'enlève pas de ta personne. Ça m'a vraiment enlevé un poids des épaules d'être capable de m'exprimer comme que je l'ai vu. Puis tu es capable de mettre les choses au clair. Tu sais, moi, je dis ce que je pense. Je dis ce que je suis plus straightforward, genre, on va dire. Tu sais, je pense qu'on aime vraiment mieux un gars qui est comme ça. Mais pourtant, vous avez choisi. Ouais, OK. Mais pourtant, vous avez choisi Samy. Non, non, mais je voulais pas être choisi, honnêtement. Non, non. C'est pas ça que je dis, mais c'est comme. C'est juste que. T'sais, Samy a des réponses plus comme traditionnelles, genre le gazon est vert, là, c'est les bleus, là, tu sais. Ben, moi, j'aime quand même ses réponses, sincèrement. Puis on sait pas si la fille a vécu un trauma par le passé. Oh! Ça, c'est bad. Ça, c'est bad. Antoine, il est jaloux. Oh, oui, Antoine. C'est ça que ça veut dire. Il est juste jaloux. Il fait un sprint, puis il y a un gars qui le sait qu'il rapproche, mais qu'il capote. C'est là. Ça. Ouais, oui. La jalousie. Justement. C'est suffisant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de dire qu'il y a Jax. Samy est super intelligent, oui, exactement, bien. Mais tu sais, ça ne diminue pas malade. Quelqu'un d'autre. On va aller avec l'incognito. Tu sais, des fois, je pense que ça... Tu sais, parce que la façon que la question est posée, ça cliquait pas, ça cliquait juste comme... Puis le lendemain, ben. On a autant aimé tes réponses, puis on a soulevé le fait que t'es comme... Oui, t'as patiné, mais comme au moins...
moins t'as été honnête et transparent. Ça se peut très bien qu'Alexandra soit rendue numéro un en ce moment. T'es capable de changer les pneus? Hey, je suis bâti des maisons. Si je suis pas capable de changer des pneus, ça serait triste en maudit. C'est ça, je suis capable de changer un tailleur. Je change ceux-là de ma mère et tout. Hey, c'est pas compliqué, c'est 5 notes. Après ça, tu mets l'autre roue puis t'en mets 5 notes. Simple dans moi. J'apprécie que tu me le dis puis qu'on s'en est parlé. C'est si easy que même moi, je suis capable. Easy. T'es capable pour vrai? Claude, c'est 5 notes. Enlève ça les 5 notes. Tu remets ça puis ils remettent 5 notes. Mais t'es capable pour vrai? Ok, là, tu me dis, par contre. C'est legit giga easy. Tu me liens-tu? Ben, je sais pas, je t'ai jamais vu faire. J'ai jamais vu être manuel, fait que... C'est sûr que ça m'a fait quelque chose d'entendre ça, mais je m'y attendais un petit peu là, avec qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours. Ça n'a pas été une surprise. OK, cheers. Mais, tu sais, je m'excuse. Ben non. Je m'en attendais pas. Je pense que je me suis fait prendre à mon propre jeu, dans le sens que je viens ici pour, je sais pas, l'expérience. Puis, tu sais, genre... Déstabilisé. Ouais. Mais comme... Puis en plus, c'est que t'es ma première date, là, ici, là, genre... Mm-hmm. Je me suis tout de suite visualisée dans ma vie personnelle. Oh, je trouve vraiment que ça fitrait dans ma vie. Ça fait longtemps que j'ai ressenti ça pour quelqu'un. Je trouve que c'est comme excitant de rencontrer c'est quelqu'un beau, avec lui, qui tu t'entends aussi bien. Prends-tu compte, si on n'était pas venu ici, on ne se serait jamais rencontré. Mm-hmm. C'est fou comment la vie est bien faite. Hein? Moi, je dis tout le temps ça, c'est ma phrase préférée. C'est bizarre, j'aime tout ce qu'elle fait. Moi, j'aime ça, un gars entreprenant. Non, ils vont juste se fringer en finale, là, c'est-tu? J'ai tellement honte de te fringe. Non, là, c'est bon, taponnez-vous, là. Là, taponnez-vous, tabarnak, là. D'accord. Qui est un petit peu plus allé-allé, tu sais, ça fait sortir mon petit contour allé-allé. Je pense qu'on tient quelque chose. Mais toi aussi, t'es touchy, tu sais, genre, ouais. Ouais, j'aime ça. Yay! Oh, allez, même, genre, je comprends même pas comment elle a pas pu voir ça comme un red flag. Mais... Le fait qu'Antoine, il dise, ouais, les amis, Mais une merde parmi, genre, tu sais, 15 belles minutes de genre, c'est pas si pire. You're right. Un peu genre de comme, admettons, après OD, toi, le disons, là. Ouais. C'est comme, c'est quoi ton genre de... Comme, qu'est-ce que tu fais dans... Tu je veux juste apprendre à connaître un peu, genre, Alex, comme pas OD, mettons, là, genre. Comme, qu'est-ce que tu fais, genre, c'est que tu travailles, après ça, c'est... Qu'est-ce c'est toujours intéressant de lui parler, sincèrement, ce gars-là est juste « wow ». Comment t'as trouvé ça hier, l'activité, puis là, finalement... C'est quoi, il s'est chienné quelqu'un dans le prod, fait qu'il est roast non-stop, genre? Il a tout le temps l'air d'une couille depuis genre 2 épisodes. C'est vrai, là? Ben, si t'es une couille, t'as l'air d'une couille. Potentiel amoureux avec Samy, je sais pas. Je pense que lui aussi, tu sais, il y a d'autres intérêts qu'il veut explorer. Tu t'exprimes vraiment bien. T'as tout le côté un peu psycho aussi que je me retrouve dedans. Avec notre travail, c'est sûr, tu sais, on n'a pas le choix. Tu sais, les gens, on voit tellement les gens qui vivent des choses qu'on pourrait même pas imaginer. Je le trouve beau, je le trouve intéressant, mais il manque, genre, cette proximité-là physique que j'ai avec Antoine. Tu sais, après la date à 4, tu m'avais quand même flashé, mais comme je pensais que toi, Pierre, ça allait matcher, genre. Puis moi, j'ai vraiment la misère avec la game. Je pense que elle l'avait dit qu'au début, il était comme très, très dense. Fait que moi, tu sais, j'étais comme... C'est pas mon genre de m'immiscer. À un moment donné, je t'ai parlé, puis je me suis dit que t'avais... Bon, on s'est parlé quasiment à toutes les fois. Hein? T'avais quelque chose qui venait chercher. Sam, il est pas démonstratif, ouais. Tu sais, je t'en laisse de parler de nous. C'est lui, il pousse, là. C'est lui tout, il a l'air un peu d'une roche, là. Mais il complimente, il fixe les yeux, il est là. Non, il a pas l'air d'une roche maintenant, je trouve. Mais non, mais. Peut-être la première semaine. Ça, il avait l'air d'un 2x4, ouais. Joke de construit. Mais ça reste que, tu sais, Samy, il est là, il est brillant, on dit. Il manque de quoi? Il manque une spark. C'est pas compliqué de montrer ton intérêt, tu sais. C'est juste que Chris. Mais s'il y en a pas. Ça coule super bien pour de vrai, là. Moi, j'ai pas une game, là. Moi, je pense que t'es vrai, puis que t'es authentique. T'es pas essayé de pas jouer une game, puis que tu penses autant, sinon plus, à dehors qu'ici. Oui, vraiment. Mais moi, je suis convaincue. Il fait bien plus avec elle que Rebecca. Ma TV, genre. Ça dépend de ce qu'ils vont montrer dans le show. Frenchez-vous! Ben là, tu sais, ça serait difficile de te faire passer pour un fucker. Mon beau-père va t'aimer. Frenchez-vous, tabarnak! C'est ça. What the fuck, dude? C'est une stratégie, genre, Matt B, ou? Ben, elle a vraiment pas eu l'occasion de lui dire. Puis, je suis tellement pas une personne stratégique comme moi, genre, je m'en vais demain, je suis correct. Oh my god, ça me pèse sur la conscience. Je suis pas une fille de gay. Tu sais, ça m'avait refroidi un petit peu. Fait que Samy. J'apprends à le connaître, ouais. Ça va bien, mais je pense que lui aussi, tu sais, il veut comme explorer ses autres connexions. Il se mouille pas beaucoup, Samy. Non, pas beaucoup. Il se mouille pas beaucoup. Tu fais comme moi, genre, ben non, il est de dire, comme. Mouille quand même, quand t'as un intérêt, tu le dis, là. Ouais, ouais. C'est ça, il se mouille pas pantoute. Non, c'est ça. Mais non. Il y a un top 6. Moi, je commence à être plus à l'aise. Oh, mais le main aussi. Comme pour vrai, vous avez mis, faire mon mari, mais genre. Mais genre quoi? Je sais pas pourquoi. Ça, dans le sens, peut-être amant, genre. Ça fait longtemps que j'ai été gênée, j'étais un peu gênée. Je suis vraiment touchée. Genre, je suis vraiment quelqu'un comme. Genre, j'aime ça faire des massages, j'aime ça, genre, prendre la main, j'aime ça. Ouais. Fait que, tu sais, comme. Puis, tu sais, mettons. OK, non. Fait que là. Quoi?
Je peux pas commencer quelque chose et couper de même. S'il m'envoie une flèche puis que ça s'enligne pour un bec, j'y vais, là. Je fonce. Bon, ben, hein, semaine 4. That's it, man. Semaine 4. Ils vont attendre à la fin, là, pour comme donner un bec fun, dans le montage. C'est début de relation. J'ai comme des petits papillons. Je pense que je suis pas d'onde de, genre, avoir ça sur mes épaules, genre, d'avoir le premier French. Tu comprends-tu? Selon les circonstances. Ça serait hilarant que ces deux-là soient les premiers qui French. Ouais. C'est comme... Va sur tes épaules, ça serait fucking drôle. Comme fais juste le faire, ça serait hilarant. Ouais. Qui est projet le premier? Tony. Ouais, ça serait bon pour vrai. Non, mais moi, ça me dérange pas. J'y ai dit, regarde, ça va être elle, puis on verra. Si j'aurais aimé ça, peut-être. Les fleurs en dessous de mon oreiller. Ah ouais, hein? Genre, ça, c'est mon genre d'attention. Ça m'a fait sourire comme. Tant mieux. Ouais, je me suis réveillée, puis genre, ça sentait le parfum. Tant mieux. Mais en plus, moi, dans la vie, on va dire, je suis le genre de personne qui va souvent faire des petits mots. Bonjour, monsieur! On se demandait, on regarde, on dit. On s'est caché. Non, je suis plus en train de ça. Qu'est-ce que tu fais, bébé? Des rapprochements de plus, si Matt t'es pas arrivé. C'est une belle ouverture, c'est fun, puis on n'est pas gêné d'aller te parler, puis de. Monsieur de... P! Ouais. Dégueulasse! C'est vraiment pas pour être. Je m'excuse. Hey, tellement. C'est parce que là, j'ai pas parlé. Mais on peut y aller. On va aller crasher. Là, c'est fini votre affaire, là. C'est un girl. Je m'excuse, mais non. Je te prends. C'est bien, ils se retrouvent. On se retrouve! C'est bien, poche. Ils ont été comme blanc. Peut-être fait un petit geste un peu maladroit, il m'a comme pitché une couverte sur la tête, j'étais comme ok, c'est bizarre. T'es une selfie avec qui j'aime moins parler, peut-être ça m'intéresse. C'est une pointless discussion en plus, c'est so bad. What the fuck? Ils voient pas Clara, là, les deux yeux. J'aime pas pourquoi les yeux. Il y a comme 3-4 boys qui sont comme moi, Lara, je l'aime bien. Non mais, they don't give a shit about c'est you. C'est ça, genre, je comprends pas. Discussion pointless. Intéressante, ça me chill. Pour, il rendu ça dans que pièce. S'il y avait un voyage ou une activité qu'il aimerait m'inviter, puis que j'avais l'air d'être dans ses tops, j'ai comme invité à aller inviter une autre fille. Je préfère full être transparente. Je suis quand même content, tu sais, Vince, je l'adore, puis. Honnêtement, je t'encourage. Merci. Merci, mais c'est très flatteur. Merci. Mais là, pourquoi elle retourne pas? Je veux juste être sûr que alors, tu sens pas de pression. Mais gars, il je m'y ai mon semaine 4, là, c'est rendu un running gag avec les filles. Je veux pas que ça soit forcé, je veux pas que tu fasses plaisir, je veux pas que tu sentes de pression envers ça. Il est tellement gris. Je veux juste voir ton opinion là-dessus. Je l'aime. Ça aurait pu se passer, là. Le French aujourd'hui, ça aurait pu se passer. Quelle heure? As-tu le droit à ça? Tu as le droit à ça? Mais là, j'ai déjà hâte d'entendre moi. Il est trop fin, il va attendre. Oh, j'ai hâte à la semaine prochaine. Mais non, mais là, ça va être samedi, là. Ah, c'est loin. Ouais. Il y a rien que du positif. Oh. À venir, à Occupation double. Ouais, Joannelle. Contente, ouais, Joannelle. Si on le voit pas, on n'a pas vu Matt P non plus, puis qu'il n'y a pas plus, tu sais. Qu'ils ne sont pas, tu ça qui arrive, man. Le choix du montage, hein. Joannelle, il est. Ah, mais j'ai trouvé tellement cute. C'est pas toutes les relations qui sont obligées d'avoir des feux d'artifice, tu sais. Moi, je trouve qu'ils sont cute dans leur maladresse. Non, mais les deux, là, des couples d'hommes, il y en a partout, là. Ils sont cute, ils sont relax. Mais oui. C'est, le gars, il est chum, il parle pas tant. Il est bon, mais il parle en masse, en plus, il est bon. Ouais. Guys, je me suis encore ramassé avec devinez qui. Non! Oh, Lara! Ouais! Comment ça s'est passé, ton sac? Ouais, c'est moi avec Vince. C'est mieux maladroit que fait, les hommes. Okay. Moi et Lara, depuis le début, on est comme tout le temps chacun dans des lits différents. Finalement, on était dans le même lit. On se donne la main, on se met les mains sur les cuisses. Ouais. La tâche de jambe? Ouais. Comment, genre? Non, je suis Lara. C'est comme ça, genre. Oh, ah, avec ce regard-là. OK. Ouais. Le même regard, là. Attends, il a quasiment les mêmes yeux. Ouais. Antoine, aujourd'hui, j'ai amené mes patins. Enlever tes rubbers. Tu m'as dit que j'étais son intérêt principal. Oh! Pas une cachette, moi, mes deux filles que j'étais intéressée, c'était Alex puis Marilyn. C'est sûr qu'avec la journée d'aujourd'hui, je suis Alex. Ce que j'aime, c'est qu'elle a trippé, mais on a vu lui, littéralement, il patinait, mais il fonçait dans les bandes, ouais. En tout cas. Hein? Il était concentré à se planter, ouais. Genre. Puis après, elle est comme, waouh, il est tellement cool. Ouais. Il s'est mouillé. J'ai fait le tour pas mal de toutes les filles. Attends, quel titre? Et il le retourne pas, s'il te plaît. J'ai fait le tour pas mal de toutes les filles. C'est mouillé. Aucun respect pour Matt. Ben, j'ai encore passé mon temps avec Marianne, évidemment. Je me sens plus dans le game avec, genre, comme ça. J'ai l'impression d'être comme à la maison. Pour répondre à ta question avant que tu le poses, ça fait juste monter encore. Ça se lève. Pour vrai, je m'en on est là. On est vraiment capable de se projeter dans le futur. On jase. C'est bon.
tu sais, pour vrai, il est tellement respectueux, genre. Il a l'air d'un bon gars. Oh, oui, ah, vraiment. Fait que là, ça va prendre un gars qui French en premier parce qu'elle voulait pas être le premier dans le premier. Non, j'ai faim. T'as regardé, là. Oh, yo. Tu sais, je suis comme crime, j'ai plus rien à dire. Je suis comme, on va pouvoir trouver de quoi. Puis on continue d'avancer dans la conversation. En fait, il part demain matin, je pars avec. Comme, j'ai le goût d'apprendre à le connaître. Oh, je pars, oh, hey, hey, hey. Tu pars, je pars. Je te le promets. Je sais, t'as fait exprès de bien fixer ses yeux. Non, là. J'ai regardé dans le blanc des yeux. Moi aussi, c'est le même, je sais, c'est mais deep, c'est dur de pas, dire. C'est sûr que c'est dur de pas. Mais là, si t'as Matt, c'est... il y a eu du birthday sex, en tout cas. Non, mais ça part pas, ils sont littéralement en train de tomber en dehors de l'écran, là. Ça part pas, là. Je pense plus vers l'amicale avec Céline. Ok. Personnellement, je parle avec tout le monde. Si c'est une fille qui m'intéresse, super le fun. J'ai. Principalement. Anna, t'es cute! C'est pas peine. Je suis pas ici pour jouer une game. Moi, tu sais, je suis vraiment bien, là. Je suis très sereine. Les déliriums sont finis! Céline est venue nous voir, puis je l'ai callé, j'ai dit on sait pas si tu joues une game. Big est en danger, Big Time. En tout cas, ouais. Je pense que c'est la plus en danger, Céline. J'ai parlé un petit peu de la game. Ouais, elle s'est demandé son snap score, elle a détesté ça. Oh, ouais, ok, ok, ben voyons. T'as demandé quoi? Son snap score. Ouais. Tu as demandé son snap score? Mais Big, en joke, là? Sur snap, j'ai dit genre en haut d'un million, c'est un red flag pour moi, mais c'était en joke. Big, c'était une joke, là. Ok, ok. Matt B, je pense pas que j'ai d'attirance amoureuse envers ce gars-là. Il manque un truc. C'est sûr que, mettons, avec l'élimination de gars, tu sais, je trouverais ça dommage. Je suis tombé dedans, je m'excuse. J'ai sans rendre compte, j'ai fait pouah, whoop-o. Je crois qu'il est plus difficile à lire. J'ai vraiment good vibe avec Alex. Moi, honnêtement, je pense qu'elle est intéressée envers moi, puis moi, je suis intéressé envers elle. Fait que Marilyn est en arrière, là. J'ai une petite partie de moi qui est déçue pour Marie, pour Antoine. C'est-tu vraiment comme ton top 1 ou genre toi t'es encore G? Ben nous on a été comme ça longtemps. Mais c'est ça! Tu sais, c'est juste que ça change tellement vite de notre bord que je me dis ça peut tellement changer vite de le leur. Il y a quelque chose chez Jay qui m'apaise. Il parle beaucoup, il est très sociable. Il y a des. Il s'intéresse à toi. Puis on dirait que du moment qu'il se met à sourire, t'es comme oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. On dirait. Ah, je trouve ça top entre les deux, je te jure. Je trouve ça vraiment top. Vous avez le temps, les filles, c'est pas vous qui partez. On commence à avoir nos premiers rapprochements. C'est pas vous qui partez. Ça promet pour Anche à Occupation Double. À soir, c'est parti, là! Il y a plusieurs gars qui sont sur son cas. Game on? Hey man, tout est double trouble. Ça va être dur en c*** de faire partir un de vos boys. C'est un garçon qui devra quitter l'aventure. On laisse partir. OK. Mon Dieu, c'est comme passé mille affaires, moi, j'ai rien vu.